not comply. Landing gear retracted. Frameshift drive charging. 4, 3, 2, 1, engage. Shift drive charging. 4, 3, 2, 1, engage. Bon. Re-désolé. Pas de problème. Polonium, c'est du métal ou... Ouais, je crois que c'est du métal, le polonium. Bon, faut que je trouve un... Polonium, c'est polonium, pas plutonium. Oui. Je trouve des planètes métalliques alors. Peut-être. Quoique... Alors, tout hasard, on va aller par là. Chouette, j'ai une de mes cousines, il y a un train qui a fait des dérapages pendant une demi-heure juste devant chez elle. Les flics, ils ont pas voulu se déplacer. C'est que quand elle a rappelé la deuxième fois et qu'elle a dit qu'elle a juste eu le temps en fait de retirer en fait Tom de la route, c'est parce qu'il était sur le trajet de la bagnole, que les flics ont bien voulu se bouger. Seulement la bagnole s'est barrée avant. Well played la police. Bien sûr, elle n'a pas pu récupérer la totalité de la plaque. Ouais.
Bon, il fait quoi le Manu là? Je sais pas. Il est jamais Il là prend quand sa il faut. guitare. Il est jamais là quand il faut, hein. C'est le moment de cracher un peu sur lui, il est pas là. Ah, vite. Ah, j'ai essayé de regarder votre stream la dernière fois, au fait, là. C'est-à-dire lequel? Celui avec Manu, que vous avez fait, là. Pouah. Mais, en fait, faut que je lui dise... Me souviens même pas. Ouais, bah, c'est quand j'étais pas là, en fait. Vous êtes parti. J'ai tellement faux, t'es pas là. Ça c'est Blanc, voilà. fait. En attendant, je suis devant vous deux, hein, donc bon. Ouais, non mais toi tu t'es dopé au neutron, hein. Oh. J'avoue que ça c'est. Eh, franchement, les 3000 années sont passées super vite là. En distance, bien sûr, Ah, parce que t'as fait 3000 en neutron? Presque, ouais. Non. J'ai fait 3000 en un jour déjà. Ah, j'ai du polonium, 0,3%. Oh putain. Autant dire que dalle, quoi. Ouais, aucune activité volcanique, rien du tout. On va peut-être aller voir ailleurs. Ouais, j'ai changé de système, ça va être plus simple. Ouais, j'ai fait 3000 en un seul coup, en une heure à peu près. Tiens, pendant que je t'ai sous la main, Oui. toi le petit streamer, si jamais on est au minimum 4, c'est-à-dire Doppelien, peut-être des spots, je sais pas, Oui. ou même sans compter des spots, Manu, toi, moi, Ça veut dire quoi Doppelien, ça? est-ce que ça t'intéresserait de faire une petite partie CQC, éventuellement en capture de flag de compte 2? Oui, j'ai jamais joué à ça, donc Ça effectivement. motiverait peut-être d'autres joueurs parce qu'on ne peut pas partir avant d'être minimum 4. Et sinon, bah, il faut des chiffres à peu près 6 ou 8 maxi. Ça pourrait être Tac. fun. Ouais, bah pourquoi pas, mais là on est... Enfin, CQC, ça se joue Ah, hors du jeu, c'est ça? le CQC, c'est en dehors du jeu en fait. C'est dans le menu. À place de choisir groupe privé, tu vas dans Arena. Ok. Et du coup, Ouais, ça influe tu peux pas soit. Voilà. sur le jeu, quoi. Tu peux contrôler un F-63 Condor, un chasseur impérial, un Eagle, un Sywinder. Ok. C'est les quatre vaisseaux qui sont déverrouillables. Donc dans le. Au début tu commences avec le 63 Condor. Mais ça nous fait, on va dire, un truc pour se détendre, tu vois, après nos durs sauts dans l'espace. Ouais, ah non mais je vois très bien. Que le Splat the Rats. Putain, il m'attend celui-là, je sens qu'à un moment donné je vais rien comprendre, tu sais. Et un anaconda qui va arriver au-dessus de moi servir, il n'y a plus rien après quoi. Et Manu qui va être mort de rire, bien sûr. Ah Il putain. a essayé la dernière fois, ça s'est mal terminé pour lui. Ah putain, oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que j'étais mort de rire dans le vaisseau. Tu sais, c'était pile le moment où j'avais des problèmes de joystick en fait. Donc j'arrivais plus à contrôler, je pouvais faire qu'avec la souris. Du coup, j'étais en train de galérer, en train d'essayer de réparer le truc et je vois Manu qui arrive à pleine balle sur toi, j'étais mort de rire quoi. Ouais, mais je l'ai esquivé. Ouais, j'ai Je l'ai vu. esquivé et il a eu mal. Mais ce qui m'a fait le plus rire, c'est toi après qu'il poursuit, qu'il lui balance 2-3 petits coups de laser. C'était tellement, on va dire, mignon par rapport à son anaconda que c'était à mourir de rire quoi. Non, c'était son SP. Oui, c'est son SP, je suis con. Bon, alors. Me voilà connecté. Je vais cap. Enfin, je vais. Oh putain! Bah ramène-toi Le du coup. coin. Ouais, Ramène-toi attends, au plus faut que je trouve rapide. Je te le. cherche du polonium du coup là. Mais je pense pas qu'on va s'arrêter longtemps en fait, hein. Je cherche le roadmap, donc c'est le point 10. Ah, piste de métal. Ouais. 0,6%. C'est rare du polonium en fait. Ouais. Oh, il y a du volcanisme magma de fer. C'est intéressant ça. Donc. Allez, je me pose. On verra rien comme. Je prends juste les étoiles hors séquence et je regarde s'il y en a entre les deux. Normalement, t'en as un. Ça suit à peu près à les 200-300 années lumière maximum, 150 même des fois. J'en vois aucune. Moi j'en ai vu plein mec, j'ai fait que ça quoi. Je sautais d'étoile en étoile en fait. J'ai dû en faire 5-6 d'affilée quoi. Et j'ai un saut
190 quoi. Bah écoute. Ouais, je vois alors que j'ai la berlue. Attends, je vais t'en J'ai. sortir là. Ça va pas là. J'ai Faut la que balise. J'ai la balise. je vais J'ai te la balise diriger. devant moi. Je vais faire ça bien cette Et. fois. Je vais pas te laisser tout seul dans le pétrin parce qu'apparemment c'était le cas la dernière fois. Ah mais Manu m'a il m'a dit l'enfoiré il t'a laissé comme ça. Ah ouais, attends que je le chope. Le Il y a pire des fois c'est je vois des petits points gris. ce Je qui vois m'a des fait petits points gris mais c'est pas des étoiles à neutrons. ce qui m'a fait le plus rire c'est que quand tu es reparti je t'ai dit c'est bon tu vas t'en sortir et tu m'as dit oui. Mais Hein, pas du c'est tout. quoi les petits points gris en fait Bah c'est ça. Ah non. Ah oui. Non. C'est C'est. des. Enfin, je sais pas, ça fait une petite boule grise, mais c'est pas une étoile à neutrons. Ouais, c'est une espèce de nébuleuse là, c'est ça. Jumeau. C'est une étoile F. Enfin, Moi bref. j'étais allé en voir une, c'est comme ça que j'ai trouvé tous les neutrons après. Et c'est une étoile F que c'était. Ou une. Non, une OA, un truc comme ça. Une bleue quoi. Alors attends, moi j'étais parti un petit peu en dessous peut-être. Putain, bon Bon. alors. Alors, je suis dans le groupe de Manu, hein, bien sûr. Par où je suis passé, moi. Il est. Ouais, je suis dans le groupe aussi de Manu. Bah, attends, mais je devrais te voir, du coup, bah t'es là. Et je suis toujours la Non, plus sard. je te vois, je te vois. Ah bah tu vois, il y en a. Ah oui, bah je suis passé encore en dessous après. C'est T'es quoi ça? descendu pour remonter? Ah non, ça c'est la suite. Alors, comment je vais faire? Ah, c'est quoi ça? Non mais t'es aveugle hein. Oui, certainement. Tu tapes Fly UA. Alors, fly. IPA. Ouais. Oui. XQ-T. Alors, XQ- quoi? T comme Thomas. Ouais. D4-24. Pardon, D4-24. Mon micro, il crache, quoi. Ah bon? D4-24. Cinq années lumière. C'est bon? Ouais. Bah ça c'en est une déjà. Je vais jumper sur celle-là. Ça te fera un petit saut à faire comme ça. Et après faut en trouver une autre. Et tu les cherches comment toi quand tu cherches des neutrons? Bah, je décoche toutes les dans le filtre étoile, je décoche toutes les Ouais. tous les trucs que je les juste étoile leur séquence quoi. Parce qu'après, moi je me balade un peu, tu sais, avec les flèches en avant, enfin en Ouais, progression vers la bah nébuleuse, pareil, tout mais ça. Et avec la souris, je fais descendre et je monte en même temps, tu sais, comme ça balaye vraiment le truc, quoi. oui, bah je fais la même chose, mais bah Ça passe pas. pas passé. Non, bah je la voyais pas. Bon, c'est pas grave J'ai après. pas compris pourquoi. Mais. Bah, c'est pas simple non plus à avoir. Surtout quand t'es dézoomé, quoi. C'est beau les neutrons quand même. Oh, elle est toute simple celle-là. Ouais. Tu y es déjà, ça y est? Ouais. Ok. Moi, j'en retrouve pas d'autres là. C'est bizarre. J'en ai vu plein. Je suis peut-être parti un peu sur la gauche. Putain, je retrouve absolument rien. Anarchie étoile à neutrons. Ouais, je crois que je Bon, t'avais bien. tâchons de ne pas nous retourner. Ouais. Bah, tu l'avais vu la vidéo que je lui avais envoyée, non? Ouais, Ouais. ou texte. Je le vois vraiment le centre. Putain, j'ai flippé, hein. Bah, de toute façon, quand tu sais que tu te retournes et puis que t'es éjecté, c'est immédiat la mort, non? Je crois. Moi, j'en trouve pas de route. C'est bizarre ça. Ah putain, Joystick a merdé. Je vais aller faire une pause sur le stream et je vais redémarrer tout ça. Alors, faire pause.
Ouais. Je vois pas grand-chose. J'en vois pas d'autres, ouais, c'est bizarre. Pourtant, j'en avais trouvé pas mal, hein. T'as pas mis de checkpoint? Ah Pas non, de j'en ai plus un seul. bookmark? J'avais plus de place. Ah ouais? T'as Ouais. une limite, t'as une limite? Ouais. Je sais plus combien, mais il y a de limite, ouais. Ouais. Moi j'en ai une, mais elle est loin, elle a 620 elle là. Bah prends celle-là déjà. Et en train Non, non, prochain. j'ai juste mis un bookmark, c'est pour pas la reperdre. Ouais. Mais j'aimerais bien en trouver une autre entre les deux quoi. Bah déjà ça te fait ça et... Et plus c'est ça que tu vas prendre là, ça te fera un bois d'ail. Tu m'as dit que t'as enchaîné que les neutrons Ouais. et qu'il y en a. Normalement, ouais. Heureux. Faut juste que Non. je cherche. Normalement, après. J'en ai une autre. Ça y est. Ah punaise. Encore T'es une en stream autre. là, je pense. Oui. Ok. Non, c'est juste pour savoir si je veux dire des conneries ou pas. façon, c'est très bien Bon, que tu veuilles ben. pas te retenir. T'en fais pas. Mais voilà la mauvaise langue. Voilà, tout de suite. Je serais prêt à Fallait parier, trouver frérot. trois. Mais quelle opinion as-tu de moi, voyons? Ah mais c'est pas mauvais en Une soi, opinion réaliste? Je sais pas qui croire. Par contre, j'ai l'impression que je vais être obligé quand même de faire des sauts entre chaque parce que j'en ai trouvé trois pour le moment, mais elles sont légèrement déviées par rapport à l'objectif. Ouais, elles sont un Ça me petit fait peu. légèrement décaler sur la gauche pour les deux Ouais, c'est bon. premières et C'est ça. ensuite. C'est ça. Moi, j'avais suivi comme ça. Mais t'avais enchaîné tous tes neutrons? Hein? T'avais enchaîné que des neutrons? Bah, pas que, j'ai dû faire Ou un t'avais fait moment. des. Ah, parce que là, je vois plus rien. Pour pas changer. Peut-être à un moment donné, j'ai enchaîné des sauts, mais toi, tu sautes pas à la même distance que moi, donc effectivement, ça doit paraître plus loin, quoi. Ah, écoute, c'est quoi? Je vais me contenter de celle-là et Ben puis oui. c'est déjà ça va me Ben oui. C'est déjà ça. raccourcir le trajet. Quelque chose de correct. Parce que là, au final, on Ça va passe te motiver. plus de temps à chercher qu'à avancer, donc. Oh, elle est bizarre cette planète. Ouais, c'est ce que je me dis toujours avec Phoenix. Je passe plus de temps à chercher, mais lui, il avance toujours pas. non. Voilà, je l'ai dit ma connerie, Tu voilà, vois que t'as l'air c'est bon, d'y enfin, je l'ai revenir. dite. Mais oui, mais non, mais voilà, mais Putain, on aurait bon, dû quelque parier. part, hein. On aurait dû parier. Ouais, mais là, 100, 175 à elle, je vais aller tout de suite. On m'avait tendu la 175. perche quand même. Ça va. C'est raisonnable. C'est raisonnable. Le maximum, c'était combien d'ailleurs qu'un mec capté là, avec une neutron? Je sais pas, mais j'ai vu sur internet un anac qui saute à 70 années-lumière, donc. T'imagines avec la neutron? Vache. 240 Il est à vide années-lumière. le mec. Ah, 210, mais le pardon. mec il vole à vide là. Oui, carrément. Il est Il a en rien, il a pas une soute. plus petit Il a réservoir. pas un seul VRS. Il a pas deux fuel Ah non. tank. Il y en a qu'un seul. Étonne. Pour sauter à cette distance avec un anac, waouh, chapeau. Et t'as le Dolphin qui va arriver aussi là dans la 2.3, Oui, j'ai vu. qui va être très Ouais. intéressant là. Moi je vais m'en acheter un, c'est sûr. Pour les explos, ouais. Pour nous, ouais. Ça va être l'éclate. Expo et tourisme, je pense que ça va être bien. Ouais, je pense. Ouais, bah surtout les missions de tourisme longue distance, parce que quand tu vois qu'il faut couvrir 20 000 à elle, des fois tu te dis, oula, oui d'accord. C'est chaud. J'avais pas vu que la planète était 1,47 G. Ça va, la dernière fois je me suis presque crashé sur une 2G.
Non, non, mais Ouais, mais. du coup j'ai rattrapé au dernier moment avec un petit coup de boost, mais c'était tendu, hein. Putain. Moi, j'ai même pas pu, j'avais oublié que j'avais déployé mes emports. Ah Enfin, putain. mes trains d'atterrissage. Alors, forcément, machin, je mets presque au milliard, quoi. Poulet. Ouais, je pensais à toi, Phoenix, j'ai cru que t'étais en dessous, en fait. Ah, mais non. Moi, j'esquive. Ah non. Bah, nul à essayer, il a perdu de la coque. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. On a testé pour vous l'atterrissage sur des planètes à forte gravité. Mauvaise idée. Ah non, mais j'ai fait pire que ça. Moi, j'ai fait du 7 ou 9G, je sais plus. Ouais, t'as explosé dessus, j'ai vu, t'as rebondi comme un ballon et bam, j'étais mort de rire d'ailleurs quand j'ai Putain. vu. Ah, le fail. Ah, le Moi, truc c'était de trop ouais, beau. franchement, moi, c'était magique. Est-ce que j'ai rigolé en regardant la vidéo? Ah mais carrément. En plus tu sais c'est une mini impulsion vers le bas que j'ai donné. Hein. Rien de plus et tu me vois Non, en mais train de... le pire, c'est que je le voyais le truc arriver, je le savais. Je dis, non, il va quand même pas faire ça, il va quand même pas faire ça. Et s'il l'a fait, je fais, oh yeah! Ce qui Narcisse en action! est marrant c'est que tu me vois essayer de corriger la chose et puis après d'essayer de booster en sens contraire, y a rien qui passe quoi, c'est la cata. Ah bah non, t'es pris par ton poids là. Hein. Ah Faut bah... surtout pas utiliser les commandes latérales. Hein. Il faut y aller en mode avion. Hein. Mais je crois que j'avais quoi à peine 50 ou 70 heures, t'es gentil toi. Je découvrais le machin. Ah, t'étais encore un petit nouveau. T'étais un petit Alors bleu. j'avais peut-être un petit peu plus, j'étais novice on va dire. Ouais, un petit bleu quoi. C'est ça. En tout cas, tu t'es crashé comme un bleu. Ah bah C'était là. impec. Les Direct choses hein. à ne surtout pas faire. Tu devrais la poster cette vidéo et marquer à ne surtout pas faire, tu vois. Les choses à éviter sur Elite. Voilà. Ah mais Déjà de jouer en monde ouvert pour bah commencer. non ça dépend des personnes ça. Moi il y a des choses que je ferais bien en J'ai monde pas de ouvert. bol. Ou alors peut-être qu'ils se disent, tiens, il y a des spots, c'est un troll, on va le buter, tu sais, je sais Je pas. pense. Ouais, il y a des chances, tu sais, je sais pas. Il doit y avoir un truc sur ma coque. C'est ça en fait, il y a un autocollant sur ta coque. Tirez ici. Kick me, tu vois, voilà. Kick me, ouais, c'est ça. Shoot me, shoot me. C'est comme dans Scary Movie 3, attaquer ici. Oui, il était mythique ce film quand même. C'est un des meilleurs qu'ils ont fait avec le 1, avec le premier. De Oui. toute façon, c'est Ouais, Charlie mais Sheen qui est bon. dedans en plus, si je me trompe pas. Ça remonte à tellement longtemps, Oh, je je me sais souviens même plus. plus. Franchement, je sais plus, Je crois que c'était honnêtement. Charlie Sheen qui était dedans, ce qui était énorme. Je suis assez naze, moi, pour retenir les noms des acteurs que Ah, dans tel Charlie ou tel Sheen quand même. film. Mon oncle Charlie, Hot Shots. Tu m'aurais dit Charlie Chaplin, j'aurais pu comprendre, quoi. Deuxième Fait pas connerie de partie la de la même soirée. génération, c'est pas possible. C'est pas possible! Alors, est-ce que je vais trouver du polonium? Vas-y, écœure-le. Ce serait Écœure marrant. Phoenix. Oh Et putain. tu lui dis pas où elle est. J'ai trouvé, je me casse. Au revoir. Ah non, C'est ce ah, qu'il faut j'en ai faire pas. avec Phoenix. Du nickel, du soufre et du phosphore. C'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai une Ouais, faudrait que prime. je m'y remette là, Elite. J'ai une prime de la Là, Fédération. je suis en train de tester différents types de jeux, en fait, justement. Il y en a d'ailleurs deux là qui m'intéressent pas mal. Qui traite toujours, voilà, bon, c'est du survival dans l'espace, enfin, plutôt sur planète, on va dire. Y en a deux là que je lorgne, dont un rock et l'autre c'est Nomad, Planète Nomade, qui ressemble à s'y méprendre à du Space Engineers. C'est à peu près la même dynamique du jeu, la même physique, c'est un peu la même chose. Bien que sur Space Engineers, tu commences dans l'espace et là tu es sur une planète, tu t'es crashé et tu te démerdes. Voilà. Mais bizarrement, c'est similaire. Tu prends ta foreuse, tu cherches ton minerai, tu prends ton laser, tu coupes, tu soudes. Enfin, c'est un peu la même chose. C'était l'Astro Dans Gaming avec des l'espace. spots. Ah non, mais attends, j'ai pas encore parlé de l'OVNI là, qui s'appelle Elion. J'ai pas encore parlé de lui. Très bon jeu d'ailleurs. Enfin, un peu vite pour l'instant, il y a au tout début. Hein, mais c'est la fameuse vidéo là que je voulais faire la dernière fois et que c'est pas passé parce que le jeu est tellement pas optimisé que dès que tu veux mettre un stream. Voilà.
dans le baba. Faut que tu paramètres, faut que tu changes les, faut que tu changes deux trois trucs en fait au niveau du logiciel de stream et il faut que tu changes la résolution de ton jeu. Et non, ça passe pas. T'as un écran noir, tout noir. J'ai plein de neutrons, mais alors ça me fait faire un de ces serpentins quoi. Je pars à droite, je reviens à gauche, je retourne Ouais, au milieu, je repars à gauche et je reviens à droite. mais ça dépend la distance que tu parcours aussi. Est-ce que c'est pas plus rapide comme ça que... Que sont les neutrons? Ça dépend, y a des étoiles, il y a des étoiles, elles sont à 20 années-lumière chaque. C'est pas. Zirconium. Allez, on va récupérer ça. Déjà. Pratique. Je crois que ça aide pas mal le zirconium d'ailleurs. Zirk, ouais. Zircon, c'est ce qu'ils ont retrouvé. La plus proche, moi, est à 224 à Ça L. me parle, hein. Ouais, c'est ça. À des souvenirs de géologue là. Du zirconium. Mais jumper sur celle-là. Zircon. Et là, le prochain jeu sur lequel vous allez vous mettre, c'est lequel? Elite Dangerous. D'accord, toi tu restes sur Elite. Je joue enfin en ce moment en tout cas rarement d'autres choses mais je suis en train de faire This War of Mine. Ok. Du survival aussi en soi mais... Pas la même époque. Et sinon j'ai toujours en fond si je veux changer GTA V ou FIFA quoi. Effectivement, on change de suite de registre. Ah bah carrément, de temps en temps ça fait du bien. Ouais, c'est pas faux. Mais Elite, ça, il y a tellement de trucs à faire qu'au final, pour l'instant, ça me. Je pense pas que je jouerai à d'autres choses, quoi. Ça me permet aussi de garder de l'argent au passage. C'est vrai. Non, c'est vrai que Steam, enfin Steam ou d'autres plateformes, hein, c'est. La vache, t'es tenté, hein. C'est. Bof. Moi qui suis un gros gamer, non, non, sérieux. Je suis un gros gamer et dès que je vois des trucs qui m'intéressent, ah tiens, et puis finalement je craque dessus, tu sais, au bout de 2 jours, Ouais, c'est mais merde. faut attendre que ça passe sur Humble Bundle ou sur G2A, sinon ça sert absolument à rien, quoi. Steam, c'est Ouais, cher non, en fait. bah oui. Clairement, oui. Enfin, ça dépend sur quel type de jeu. Après, quand t'as des jeux indés, des fois tu peux t'en tirer à 10 euros, 15 euros. Bon voilà, avec quand même des belles réalisations, même si c'est en early access, il y a quand même des jeux qui, voilà, qui valent le coup. Mais dès que ça commence à dépasser les 30 boules, là, non, clairement non, quoi. Déjà, non, non, trop cher. Beaucoup trop cher. Ouais, sinon je joue aussi à Age of, hein, à l'ancienne. Age of Empire? Ouais, carrément. T'es Ouais, c'est sérieux? un bon Ah jeu. bah ouais. Ouais, c'est un excellent jeu, ça. Oh Carrément. putain mec, il faut qu'on se fasse une game. J'ai le 2 et le 3, hein. Faut pas rêver. J'ai Ah, toute faut mon qu'on se enfance fasse une dessus. game. Ah, Ah mais là là c'est là là. clair. Ah, je suis encore à rigoler. Et tu vois, des jeux comme ça, franchement, on n'en fait plus beaucoup. Je vais me faire torcher, mais c'est pas grave. Dans la joie et la Et bonne là, humeur. y a un jeu que j'ai découvert, je pense que tu as connu, toi, les. Ah! Merde, ça y est, le nom, ça y m'échappe. Trop de mémoire. Alzheimer, quand tu nous tiens. Ouais, c'est clair. Merde. Fais chier, là, comment il s'appelle? Qui a été refait par Steam, c'est ça? Non, 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 pas refait. Quoique, il y Remasterisé. avait bien. Ouais, il y avait. Je crois qu'il y a eu une ou deux remasterisations du soft. La série des. Heroes of Might and Magic. Ah mais si, j'avais le 3 moi, j'ai saigné le 3, et le 2 aussi je crois. Ah, celui-là. Ah, mais le 3, c'est le meilleur. Ah carrément. Le 3, c'est le meilleur de toute la série. Hein. Bah, en fait, là, j'ai découvert, bon, il y a déjà un petit moment, un autre jeu qui s'appelle Edge of Wonder 3. Ah c'est connu Ça ça. reprend un peu ce. Eh, ouais, mais putain, le 3, il claque. Ah putain, tu prends une de ces claques visuelles, graphiques trop belles. Non, le jeu est vraiment bien foutu. Hein. Après Steam, ils avaient repris un autre classique, c'était Stronghold. Le tout premier. Oui, Je l'ai celui-là, oui. c'est une tuerie. Hein. C'est toujours une tuerie, hein, Ouais. franchement.
Ouais, simulation d'attaque médiévale, franchement, Ah, ouais, j'ai passé des heures dessus. C'est tueur. Surtout qu'il est pas ouais, facile le jeu. Les Strongholds, ouais, putain. Le premier en tout le cas. Dernier boss à la fin. C'est des jeux qui datent de quand ça? Je crois que c'est 99, quelque chose comme ça, non? Facilement. Le premier Stronghold qui est sorti, ouais, facilement, ouais. Au début, tu dois tuer The Pig. Ça va. Après, quand tu dois tuer le loup, c'est compliqué. Ouais, c'est un peu. Ouais, ça passe. Et là, le loup. Là, il y a un studio qui a remasterisé encore un autre jeu qui a bercé notre enfance. Hein. Roll Cage. Je pense que tout le monde l'a connu ce jeu-là. De quoi? Peu importe la console, en fait. Roll Cage. Ça me dit rien du tout. Putain, les mecs, bro. Ah non, mais les gars, vous ratez. Mais vous ratez une. Ah non, mais vous ratez un jeu, là. Roll Cage, c'était des petites bagnoles qui se pilotaient à 500 km/h, voire plus, dans des mondes complètement barrés. Et tu roulais à la fois sur les murs, le plafond, enfin partout. Tu roulais partout, tu pouvais rouler. C'était une tuerie. Mais c'était super moche graphiquement. Mais bon, pour l'époque, c'était une révolution, tu vois. Et là, ils ont sorti. Un studio a décidé de dépoussiérer ce petit jeu-là, Roll Cage, qui a bercé notre enfance de gamer. Enfin, en tout cas, visiblement que la mienne, par rapport à vous deux. Et ils ont sorti le fameux GRIP, GRIP. Là, ils ont rajouté de l'armement. Donc là, je t'ai juste imaginé la gueule des courses, quoi. Graphisme de 2017, super beau, super fluide. Autre chose que le truc dégueulasse pâté, parce que ta voiture, elle collait pas la route. Hein. Tu vois, et ta bagnole, en fait, elle était en lévitation presque. Tellement il y avait de bugs graphiques, c'était pas terrible. Là, maintenant, putain, c'est magnifique, quoi. C'est magnifique sur des circuits complètement allumés. Mais alors, quand je dis allumé, c'est allumé. Hein. Tu peux avoir 3-4 passages pour le même. 3-4 raccourcis, ou même des fois, c'est même des rallonges. Hein, c'est même pas des raccourcis. Et tu roules partout, quoi. Tu roules sur la terre, les murs, le plafond. Tu zigzags à gauche, à droite. Non, c'est excellent. Ils vont rajouter le décor destructible, d'ailleurs, aussi, avec les missiles et tout. Non, mais c'est une tuerie. Ah mais ça c'est des bons vieux jeux quoi. C'est comme Elite, hein. Elite en 84 quand il est sorti. Bon moi j'y ai pas joué personnellement, j'avais que 2 ans donc je me voyais mal à 2 ans commencer à piloter le truc. Mais j'ai vu là des gameplays, des vidéos de l'époque. Franchement pour l'époque il était chiadé quoi. Bon, graphiquement horrible, on est d'accord, mais il avait déjà une sacrée interface. Et ce qui est bien c'est qu'on le retrouve là. Graphiquement beaucoup mieux, mais on retrouve tout cet univers-là de l'époque. Ouais, parce qu'on en parlait beaucoup d'Elite. Et on fait beaucoup de vidéos dessus. Y a très peu de gens qui se sont posé la question en se disant, ouais, mais ça ressemblait à quoi le tout premier? La toute première version d'Elite, là. Et je crois qu'ils le vendent, hein, d'ailleurs, si je dis pas de Il est conneries gratuit. sur. Ah, il est gratuit. Ah putain, il faut que je le prenne. Ah, faut que je le prenne. Je sais pas si ton sur nos bécanes, mais. Faudrait que je vois si. Ouais, attends, ouais, faudrait que je le prenne. Je pense que. Il y a moyen de se faire plaisir encore avec. Après, ce qui est vraiment dommage encore avec d'autres jeux, je sais pas si vous êtes du même avec moi, mais il y a beaucoup de copier-coller, quoi. Bah ça dépend, c'est en général Bah regarde. quand t'es chez Ubisoft tu sais que tu vas avoir toujours les mêmes types de jeux donc par exemple. Ah bah c'est clair. Et ça Je suis tout à fait c'est d'accord. quand t'achètes Assassin's Creed et qu'après t'achètes comment ça s'appelle le truc de hacker là, c'est toujours pareil les trucs hein. Tu vois que Far Cry 3 Ah les quêtes sont les Watchdog. mêmes que Watch Watch Dogs Dogs? hein. Ouais. Ouais. Et L'héroïne surtout leur système de PVP. De Watch Dogs, c'est exactement la même que la méchante dans Far Cry 3, enfin la méchante. La pseudo méchante de Far Cry 3, donc. Je sais pas, j'ai pas joué à Far Il est super celui-là par contre. Ah, les Far Cry sont très bien. Cry. Ouais, j'ai cru Ah non, entendre, je ouais, te le c'est ce que pas garantis. mal de personnes disaient. Le 4, c'était une Bon, tuerie. après, bon, je suis un petit peu saoulé. Moi, je suis un peu saoulé de ces jeux-là, comme ça. Toujours à tout shooter, à tout buter, là. Pff, ça me saoule un peu, quoi. Alors, il y a de la discrétion, hein. C'est. Il y a énormément de discrétion dedans. Avec ton lance-roquette, moi, je m'en distrais. Ouais, ça dépend comment tu t'y prends, après chacun joue comme il veut quoi. Ouais, c'est pas faux, mais après, bon, voilà, c'est vrai que ces jeux-là, c'est pour ça que je me tourne vraiment plus sur des sandbox. Mais les sandbox, encore une fois, ouais, c'est du. Bah, c'est comme là, je parlais de Planète Nomade qui est. Il a l'air très beau, il va sortir là, dans un mois.
18 avril, normalement il est annoncé, s'il prend pas de retard au niveau de la diffusion, la sortie officielle. Mais quand tu regardes, ben, moi j'ai regardé attentivement le gameplay, même des let's play qui avaient été tournés lorsqu'il y avait les bêtas ouvertes, fermées, pardon. Et je me suis dit, mais putain, c'est un Space Engineers quoi. C'est la même mécanique, exactement la même mécanique qui tourne derrière. Alors c'est pas du tout le même contexte, mais c'est semblablement pareil quoi. Le monde change, voilà, les créatures changent, l'histoire change, mais le système de crafting, de construction, c'est similairement la même chose. Et bon, c'est joli, hein. C'est vrai que niveau graphique, il accroche. Après, je sais pas ce qu'il va donner, tu vois. Mais bon, moi qui suis un bon fan de Space Engineers, pour l'avoir un peu retourné le jeu, et encore pas totalement, parce que c'est un jeu qui est énorme, voilà, c'est quand même un copier-coller pour moi. Après, c'est mon avis, hein. Faut voir lors de sa sortie ce que les joueurs vont dire, le retour de la communauté, hein. Enfin des communautés d'ailleurs. Voir ce qu'ils vont en dire, mais je pense que y a beaucoup de personnes qui vont probablement se ranger derrière cet avis-là. Voilà, et c'est ça que je reproche un petit peu à certains jeux, c'est il n'y a pas énormément d'innovation en fait. Tout le monde s'est lancé là dans la brèche, là, avec Steam et les Early Access, c'est eux qui ont mis le feu aux poudres, hein, par rapport à ça, qui ont rendu possible cette chose. Et tout le monde se jette dedans, et dès qu'il y a un soft qui marche ou une idée qui marche, vas-y, on la reprend, on la pompe, et puis c'est reparti pour un tour. Voilà, donc. Et des fois, tu peux avoir deux, trois jeux comme ça, qui sont similaires. Par exemple, Empyrion, c'est pareil. Empyrion, c'est ce qui pourrait même se rapprocher de plus près de Planète Nomade. Voilà. Tu te craches sur une planète, et puis à partir de là, ben, tu te démerdes, tu prends tes ressources, tu craftes ta base, tu craftes ton vaisseau, tu te casses. Voilà, et tu vas voir sur d'autres planètes pour récupérer d'autres ressources, coloniser d'autres mondes. C'est similairement un peu la même chose, quoi. Je vous ai perdu, ça y est, c'est fait. Je les ai perdus dans l'espace. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ah putain, oh, c'était fait pour un. T'en fais pas. Oui. T'as une discrédite, vous voyez ça, les gars, putain. C'est tout un sport. C'était l'instant gaming avec Despot. Ouais, l'instant solitude, ouais. Putain, bien seul au monde, tu sais, le mec. Vous en pensez quoi? À quelle heure? À 22h47, tu demandes de penser, connard. Oh, ça va encore. T'es taré, toi. Ouais, ça va. Tu devrais me rajouter sur Steam, Ben. T'es pas sur Steam? Qu'on puisse se la faire, la game des Age of Empires. Ah bah ouais. Vas-y, rajoute-moi, ce sera plus simple. Parce qu'elle a l'air toujours. Oh lol. Après Manotron, si tu veux bien. Ouais, non mais ce serait attends. con de fusionner avec. Tu sais que j'ai dû passer 2 heures avec un pote pour qu'on se trouve sur Steam, pour qu'après on se fasse des games aussi. Hein. Sérieux? Ah mais c'est jamais trouvé un truc plus compliqué que ça. Entre le nom ID, le nom de jeu, le nom de ci, le nom de ça. Les paramètres que tu mets après aussi. Je dois t'avouer que même moi je sais même pas c'est quoi mon truc. Je sais c'est quoi mon icône, mais je sais pas c'est quoi mon idée. Ah, cette route de neutrons. C'est tellement bon de se faire 160, 170 années-lumière d'un Et coup. bim. Ah, c'est cool. Bon, on va changer de planète, on va aller ailleurs. User joined your channel. Yo les gars. Oh là. Ah, le voilà, la Ah, Manu. Putain. Là, le chef. Ça y est, il a peur maintenant. Il est perdu, Bon. Phoenix. J'ai fini de manger. Encore? Non.
pas changé, moi je dis. Je fais mumuse avec les neutrons. Je lance Steam et tout. Juste une question, Ben, pour la config du Thrustmaster, j'ai rien à lancer, je m'en fous, je vais dans le jeu et j'appuie sur les boutons. Non, surtout pas. Pourquoi ? Du tout, faut que tu il faut que tu configures les touches. Tu télécharges le logiciel, le target là. Lequel ? Target. Ah bah faut, mets-moi des liens s'il te plaît là sur Discord là, parce que je vais pas avoir le temps de chercher là. Si je veux jouer un peu, j'ai pas envie de mettre une demi-heure à configurer le truc là. Alors... Oh lolo, ce feignant. Oh bah gros... Ouais, c'est vite fait. Je suis à la bourre par rapport à vous là, vous avancez plus. Cherchez-moi les gars et je trace ma voie tout seul jusqu'à Colonia. Hein. Attention hein. Je le dis tout de suite. Hein. Donc je lance pas Elite alors. Non, pas tout de suite, non. En plus, faut que tu le démarres à chaque fois avant de jouer. Hein. Comment ça? Bah, je peux lancer le launcher d'Elite déjà. Je crois, je sais pas. Oui, voilà, je lance pas le jeu, mais le launcher. Bon, alors faut que j'aille sur le site de Thrustmaster, c'est ça? Ouais, attends, je suis en train d'essayer de le retrouver, ouais, c'est ça. Tu vas sur support.thrustmaster.com. Attends, laisse-moi. Vas-y, mets-moi 2-3 liens bon, là, parce que. C'est bon, je te l'envoie. Je me fais une petite tisane et tout ça, et j'arrive. Une petite pisse mémère. Ah, fais chier. Allez, à toute. T'as, c'est. C'est ce truc là, le. La manette de gaz qu'il a pris et le joystick que j'ai moi, c'est écrit. Attends, j'ai enlevé le casque là. Donc j'entends pas là pendant ce. J'ai AFK, je reviens dans 2 minutes. Ouais, alors j'ai vu user manuel, on s'en fout. Cockpit setup, on s'en fout. Pilote c'est logiciel, bon. Mappage des boutons, paramètres des jeux, c'est ça? C'est ça, et après faut que tu télécharges un deuxième truc et c'est tout bon. Passer alors tu t'appelles comment toi, Ben? Sur Steam? Sur Steam? Target, voilà, écoute, ok. Je reviens dans 2 minutes. Sur Steam, c'est ça doit être casque bleu ou exploited, je sais pas, c'est l'un ou l'autre, je sais jamais. Attends. Alors casque bleu, c'est tout attaché? Ouais, je sais même pas s'il y a pas une faute d'orthographe dessus. Comment on va retrouver ça? Il y a un casque bleu tout attaché, par France, avec un point d'interrogation en guise de. C'est peut-être ça, il y a quoi comme jeu dessus? Non, mais il y a 3 casques bleus, et identiques au niveau écriture. Après casque bleu 24. Il y en a 2, casque bleu 62, il y en a 1, donc je sais pas. Il n'y a pas de numéro après. Essaye de trouver Exploited, tout simplement. Où est-ce que j'ai mon profil, moi? Fichier discussion avec Guide, up de la communauté, musique. Exploited, Grenoble, Ronalph. Ah, ça va être ça. Avec une bonne photo de. Bah, du CD, quoi. 30 années d'anarchie et de chaos, The Exploited. Ouais, ça peut être que lui, ça. Je suis même pas sûr. Bah écoute, deux crânes qui se regardent en tirant ouais, la langue. Ça, c'est ça. Voilà. C'est bon. Ah bah oui. La bonne vieille jaquette d'Exploit. Ah, tiens, vas-y, j'en profite. Hop. T'as reçu des spots avec. Ouais, je viens de t'en faire. Après, je sais pas si je vais les accepter. Hein. Ouais. Connard comme je suis, t'aurais bien raison de refuser. Putain, je t'ai accepté avant Phoenix en plus. Ah bah voilà. Tu peux dire qu'une seconde avant t'es accepté quoi. Voilà, c'est ça. Une seconde avant. Salut Phoenix, je passe avant toi. Ah mais j'adore cette pièce de Exploited quoi. Là, j'ai toujours kiffé quoi. Oh, y'a ça et le petit logo que j'ai sur Discord de Suicidal Tendencies, ils en avaient fait une chemise qui était excellente aussi. Attends, je vais voir ça. Oui. Ils en avaient fait une petite chemise super bien habillée et tout. Je pense que j'aimerais essayer de m'en choper. Elle tourne vite celle-là. Oh là là. Par contre, elle est en entretien d'embauche avec, moyen quoi. Faut choisir là où tu vas avec, hein, c'est sûr. Ouais, carrément. Remarque, tu vas me dire. À moins que t'aies carrément le look métalleux, les cheveux longs et tout. Non, non. Postule les mecs. Non, non, c'est pas. Moi, j'ai pas du tout ce look-là. Ouais, tu vas me dire, je vais au taf. En supermarché avec des t-shirts Metallica et Gojira, hein, ça pose pas de problème. Tu sais, moi en entreprise, déjà ce que j'ai vu hein, comme look, tu pleures, hein. Putain la vache! Sur le film Metallica, il y a écrit Peace, Love and Metal, tu sais. Allez hop! Énorme! Non, le pire truc que j'ai vu en entreprise, sérieusement, hein, puisqu'on parle de look là rapide,
Je sais même pas si je peux dire une femme ou un homme en fait, enfin voilà, un transgenre, voilà, clairement, un mec, hein. Enfin de base c'était un homme, hein. Refait complètement en gonzesse, mais alors avec un style vestimentaire mais assez, assez particulier, très particulier. Le type, il venait quasiment en cypher, quoi, bosser, quoi. C'est-à-dire, le type, je crois qu'il allait dans une rave party ou une soirée indus, tu sais. C'était assez impressionnant, quoi. Les grosses New Rock aux pattes, le casque sur la gueule, complètement fluo, le machin. Le type, il partait en réunion comme ça, tu sais. Tu te dis, ouais, normal, quoi. What the fuck. En entreprise, normal. Oh, putain. Ah, le mec, il a imposé son style, quoi. La classe. Je crois qu'il a pas je crois que quelque part on lui laissait l'imposer en fait, parce que je crois que les gens ils savaient même pas comment réagir étant donné qu'il l'avait connu homme et que après des vacances il avait pris pas mal de vacances et il est revenu femme et tout le monde lui a demandé mais vous êtes qui, et c'est là où il dit ben il a changé de nom, il a changé d'identité, il a tout changé. Bah ouais, et il a dit ben je suis un tel machin machin, maintenant on m'appelle comme ça et avant j'étais, et les gens ouais, c'est surprenant, ouais. Ouais, ça remonte, j'avais 18 ans, hein. Ça remonte à très très loin, quoi. Mais j'étais choqué, quoi. J'étais choqué, je fais putain la vache, le mec sans gêne, quoi, vas-y. Après, ouais. Voilà, je veux dire, il fait ce qu'il veut. Pourquoi il se gênerait, honnêtement? Enfin, si je vois pas où est la gêne, quoi. Ouais. Enfin, quelque part, bon, je suis aussi. Comment dire, je suis un anarchique de base, mais disons que dans une entreprise quand même, que tu ailles te balader comme ça dans la rue, chez des potes, en soirée, ouais, ok, ça passe. Mais quand même en entreprise, en sachant que tu vas faire des réunions, ouais, mais ça, tu parles de look, tu parles pas de productivité. Pour moi, ça a aucun sens. Tout ça. Un minimum, parce que avant, tu s'habilles. Ah non, je dis pas que ça va jouer contre la productivité, mais, ah, pas du ouais, tout. Ouais, mais c'est ça le truc. Ça n'a strictement rien à voir. Qu'est-ce qui est important en entreprise, c'est la productivité, on est d'accord. Là, on se base sur du look, c'est que tout le monde doit se ressembler en fait. C'est la productivité, oui. Voilà. C'est la productivité, mais après ça peut froisser, ça peut choquer. Bon après, je lui ai parlé, hein. Je veux dire, on s'entendait même plutôt pas trop mal, hein. On se marrait bien avec lui, hein. Puis on se voyait en soirée, puisqu'on avait les, moi j'étais un indus, donc forcément dès qu'il y avait des soirées, on y allait comme ça, puis on se retrouvait là-bas, puis on discutait bien. Mais c'est vrai qu'au tout début, quand je le connaissais pas. Quand je connaissais pas cette personne, ouais, je me suis dit putain, le mec, n'empêche, respect parce qu'il assume, sérieux, ça je respecte parce qu'il assume, mais quelque part, je me dis que ça peut quand même porter préjudice parce que voilà, il n'y a pas tout le monde qui va accepter, hein, aujourd'hui, et encore maintenant de nos jours, c'est pire parce que t'as le dress code d'entreprise qui lui est extrêmement strict, donc. Voilà, c'est du code, hein, c'est de la codification, hein, de société, c'est tout. Hein. Me lance pas là-dessus. Être bien me dans lance le pas là-dessus. Voilà, être s'il bien dans un moule, tu sais. Voilà. Me lance pas là-dessus, non. Pas pendant un stream, s'il te plaît. Si, vas-y. Vas-y, non, expose tes idées politiques. Non, vas-y. Non. Pas avec un monde de jeu comme ça, mon gars, c'est mort. Je m'abstiendrai pour mais ce on en fait... Mais on n'en fait plus des comme ça, putain, on n'en fait plus des comme ça, ça me manque. Les bonnes années 90, putain, elles sont où? De quoi tu parles? Ton cul. Tu parles de musique, putain, ou tu de parles toute de... Cette... De tout. Mais tout. Attends, mais tu sais... Enfin, il y a une scène quand même, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Faut juste savoir les chercher, les gars, hein. Ça existe encore. Hein. Ouais, au moins. Enfin, en tout cas... Moi, je les trouve moins facilement là où je suis. À l'époque, on avait que ça. Hein. Ouais, mais plus ça, je suis allé avec les Allemands. Putain, c'était le hype. S'éclaté. C'était le hype du moment. C'est comme maintenant tout ce qui est djent, ouais. Et tout ça, t'en trouves partout. Hein. Tout ce qui est nouveau style de métal, il y en a partout. Et les anciens, bah, il n'y a plus que soit les papis qui continuent, soit quelques petits groupes qui essaient de refaire comme avant. Quoi. Là, il y a tout ce qui est psychédélique, un peu stoner sur les bords, c'est en train de ressortir là sur Internet. Hein. T'as énormément de nouveaux groupes qui font ça. C'est le style bien à l'ancienne, quoi. Ça peut être, ça c'est bien.
Ah mais c'est carrément Ça, énorme. ça peut être fun. Si tu veux aller Ah, chercher, clairement. tu faut que tu ailles dans les groupes qui sont pas très connus, qui ont pas de gros labels. Tu vas sur Bandcamp, le site, je sais pas si tu connais. Et Pas du tout. pas du tout. Je te Pas du l'enverrai. tout. Bah, vas-y, je te l'envoie sur Ouais, vas-y, on va. Discord ou sur TS. Discord, ouais, sur Discord. Et ce truc, bon, il y a pas que du bon, mais il y a vraiment. C'est là, je trouve les trois quarts des pépites que j'ai, quoi. Ah, ça peut être cool, ouais. Mais en fait, moi, je parlais surtout au niveau des soirées. Moi, je me Ah. souviens à l'époque dans ma ville, putain, les soirées. Et t'avais. Bon, maintenant, les entrepôts, ils ont été rasés. Il y a des bâtiments qui ont poussé à la place. Mais à l'époque, on avait en fait. Black Imen, en Allemagne, on avait un endroit où il y avait des entrepôts désinfectés, des vieilles usines qui avaient fermé et qui étaient en attente de se faire raser pour faire pousser justement de jolis petits bâtiments, quoi. Parce que ça explose chez nous comme des champignons. Et enfin, comme toutes d'ailleurs, comme toutes les grandes villes de France. Et donc du coup, nous on faisait nos soirées là-bas. Et régulièrement, il y en avait. Ben, il y a une salle qui est très connue, hein, à Strasbourg, le Molodeuil. Elle est mais connue de partout, même à Paris. Des fois, on me dit, ah, mais t'es déjà allé au Molodeuil et tout. Voilà, ça c'est une très 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 vieille salle. Elle date des années, je sais plus combien, 60, un truc comme ça. C'était en fait avant la laiterie, c'était la salle de concert. C'était là-bas que ça se faisait. Et maintenant, là-bas, t'as des boeufs, t'as des petits groupes de métal, de punk, d'indus qui se produit, mais beaucoup moins maintenant, à notre époque, qu'il y a dans les années 90 ou 2000. Là, c'était l'explosion. T'en avais toutes les semaines, tu t'éclatais. Les bonnes vieilles soirées, quoi, comme on les aime bien, quoi. Ah mais ça va être fini ça Du maintenant. bon son. Mais c'est complètement fini. C'est Ouais, c'est. carrément fini. Après, bon, tu vois des punks dans la rue, là, c'est la moitié des clodos. Ah ça a jamais Ils été. se disent punk, mais. Pff, Ça a jamais été Punk, mais beaucoup ils le sont différent. pas. Ouais, c'est paradoxal. Toute cette scène elle est vraiment paradoxale en fait. C'est clair. C'est très spécial. Mais bon, moi j'ai versé dedans depuis que je suis gosse, donc forcément, j'en suis fortement attaché, quoi, du moins à ce qui se passait. Là aujourd'hui, non, c'est non, c'est mou, c'est creux, c'est non, non, clairement non. Il n'y a que en Allemagne, éventuellement, où tu peux encore espérer trouver des bonnes soirées comme ça. Ouais, mais enfin, Mais bon, les mecs, ils sont vieux maintenant, hein. Les faut y vieilles aller, tirent la gueule quand même, faut hein. y aller aux soirées. Moi, j'avais Total Chaos qui passait dans la région. Je me suis dirigé, c'était un concert, je crois, à 10 euros. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée, j'ai vu ce qu'il y avait dedans. Putain, t'y vas pas, quoi. C'est-à-dire? C'est-à-dire? Que des punks à chien bourré. Ah ouais, non, d'accord. Quand t'es Non, petit. non, justement, non, non, la bonne vieille, le bon vieil esprit, tu vois. Ouais, ça. L'esprit punk. Ça s'est fighté toute la soirée, donc ça sert à rien. Bah justement, c'est ça que je veux pas. À l'époque, il n'y avait pas de souci. À l'époque, il n'y avait pas de problème. C'est. Voilà, on buvait, effectivement, il y en avait même qui se cramaient, hein. Ça, faut pas se voiler la face, hein. Mais les soirées, elles se finissaient rarement. En pugilat, quoi. Il n'y avait jamais aucune baston. Et si jamais il y avait une tension, bah en fait les gars ils réglaient ça à coup de bibine, quoi. Vas-y, on s'enfile 2-3 bières et puis on oublie notre différend et on est là pour teuffer, on n'est pas là pour se fighter, tu vois. Et ça c'était vraiment l'ambiance de l'époque. Et c'est toute cette magie, toute cette ambiance, tu vois, toute cette mentalité qui n'existe plus aujourd'hui. Et c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage. Voilà, même si maintenant il peut y avoir d'autres groupes qu'on a connus, ou même des nouveaux groupes qui se produisent, ben t'es sûr que les personnes qui vont participer au concert, non. C'est clairement pas ça, quoi. Comme tu le dis, t'es devant la porte, tu fais demi-tour, quoi. Tu te casses. Donc ça va mal finir, tu rentres même pas, quoi. Tu fais ok, c'est bon. Je suis encore tombé au mauvais endroit, au mauvais moment, quoi. Voilà, Ouais, c'est c'est ça. dommage, mais c'est ça. Mais c'est pour ça, en Allemagne, un jour, on est parti avec un pote. On avait envie, un petit week-end, de se faire une petite virée, lâcher les cheveux. Et on s'arrête dans une ville, à côté d'Offenbourg. C'est pas très loin de chez moi, hein. C'est vraiment pas loin, c'est à une demi-heure de bagnole. Je sais même plus le nom de la ville. Et là, en fait, lui, il parlait allemand. Moi, pas un bronc, hein. Franchement, je biche pas un mot d'allemand. Et donc, lui, il voit une grosse affiche. Ouais, soirée punk, machin et tout. Tu sérieux, vivement parler, il me fait.
Vas-y, mais on y va, je suis sérieux. Ouais, vas-y, on y va. On est rentré là-dedans. Bon, il y avait des vieux, hein, franchement. Hein, des gars des années 80. Vous voyez qu'ils avaient bien vieilli, quoi. Mais toujours avec la crête. Toujours avec la crête, leur putain d'Harley devant. C'était l'éclate. C'était l'éclate. Les gars, ils avaient troqué leur mobylette pour aller en Harley, tu vois. C'était juste ça le truc. C'est juste ça qui avait changé. Mais les gars, toujours aussi sympas. Et complètement allumés de la cafetière, les types. Et là, on a passé une soirée de malade, quoi. Inoubliable, inoubliable, c'était l'éclate. Pas un seul problème. Les filles qui passaient, ils s'arrêtaient même pas, quoi. Ils entendaient la musique, ils passaient, tu les voyais passer en bagnole, mais ils s'arrêtaient pas. Parce qu'ils voyaient que tout était calme, en fait, finalement, à part juste la musique qui était un peu forte, mais il y avait pas de, il y avait des gens qui étaient dehors, tu vois, en train de boire leur bibine, bon, et de prendre l'air, mais il y avait aucun problème, quoi. Voilà. Des bonnes soirées telles qu'on les aime, quoi. Bref, nostalgie. Voilà, c'est des petits moments nostalgiques maintenant. Non, mais c'est vrai, ça me manque, les mecs. C'est le quart Ah, d'heure ça. émotion. Oh, peut-être pas non plus, faut pas pousser, quoi. Faut pas pousser le quart d'heure émotion. Elle est où la petite musique? Faudra que tu rajoutes de la musique, tu sais, derrière. C'est un petit truc. Séquence émotion, tu vois. Un petit Bad Religion, ça pourrait bien passer. Aïe, Ouais, c'est mignon ça. Bad Religion, c'est génial. Ah, c'est du punk rock quoi, du bon californien. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Punk mélodie, comme on appelle ça. Parce que c'est vrai que c'est assez différent au niveau sonorité de ce que tu peux entendre chez les punks, quoi. Les punks, c'est généralement pas réputé pour être mélodique, hein. C'est plutôt répétitif à fond. Toi, tu vas me dire, j'ai grandi avec Offspring, hein, donc. Avec? Offspring. Ouais. Donc c'est Ouais, ça c'est pareil. scouté aussi, Enfin, c'est. c'est sacrément mélodique, hein. Mais le tout Oui, premier album, c'est. Bah, c'est une c'est. tuerie, hein. Ouais, bah oui, justement. Après, c'est devenu hyper commercial, mais le premier, oui. Mais justement, Bon, ils étaient dans la. on n'entend plus parler d'ailleurs de ça. De ce Non. groupe? Bah, si, ils ont sorti un album il y a quelques années, c'était de la merde. Genre, j'en ai écrit une revue, j'aurais pas donné beaucoup. Mais ouais, c'est. Enfin, si. Ça a mal vieilli. Ouais, c'est ça. Bah après, Ça a très mal vieilli. qui continue à se faire plaisir, à faire de la scène et tout, tant mieux, hein. Et au moins Ah, qu'ils attends, soient il y a là. un autre, il y a un autre groupe, hein. Bon, on change un peu de registre, mais Rolling Stone. Ouais, mais non, mais. Voilà, Jamais été voilà. fan, Eux, jamais. ils ont très, 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 très mal vieilli. Alors, très mal vieilli. C'est. Bon, Tu prends putain. quoi, Ben? Hein? Allô? Oui? Hein? J'ai pris, alors attends, j'ai pris le pilote Ouais, déjà, ma page le du logiciel, bouton. j'ai pris Target Software machin là. Ouais, tu prends aussi le mappage, comme Ok. ça c'est fait. Ma page de bouton, faut le prendre ça aussi. Ouais, comme ça c'est fait. Bon, ok. Il est vraiment pas mal leur truc. Et après, tu pourras modifier le bouton que tu veux changer, quoi. Après game setting, je prends des trucs ou pas? Je crois que j'ai pas pris, moi. Paramètres de Ok, jeu. donc Donc, c'est tout, du coup, je je prends prends ces ces trois logiciels trucs pour quoi. réussir à te Attends, croûter comme attends. un caca, comme expliqué. Ah, mais dans paramètres de jeu, en fait, tu as. Ah, si, t'as les Il y a profils. Elite. Si, t'as les profils target. À prendre. Target Profile, FCS, OTA, Elite dans plus, c'est Ouais, ça? c'est ça, par exemple. Et moi, du genre, tu peux. Attends. Ah, mais toi, tu es pas. T'as pas le joystick qui est pareil, toi. Non, mais c'est juste le throttle, moi. Normalement, ton mapping suffira, ouais. Ah, parce que moi je vais reconfigurer le truc tout comme je veux. Bah les couilles de leur Bon, truc, moi. moi mes petits amis, je vais vous laisser là pour ce soir. Parce que j'ai joué, moi je joue jusqu'à minuit, puis basta. Grosse journée demain, donc je vous dis à tous bonne nuit et puis ben, Ok, bon bye. vol, hein. Bon exploit les mecs. Hein. Bonne nuit, mon grand. À plus. Allez, à plus, salut les gars, ciao. User disconnected from your channel. Téléchargement, c'est déjà. Alors, on va faire ça dans l'ordre. Après, je suis pas un expert, hein. Donc si tu veux faire ton mapping tout seul, tu peux aussi, hein, normalement. Là où il est expert, c'est en crachage de Éditeur, vaisseaux sur les planètes. Là, il est oui, expert. Shit. Fais gaffe, hein. Je suis pas aussi bon quoi? tourné contre toi, Phoenix. Je te rappelle que je suis manager troll. Le troll manager? Ouais. Ouais.
Je vais t'emmener dans des endroits où tu pourras faire partir. Pilote logiciel, et après je me démerde. Je vais voir. Et il y a un bouton pour l'allumer ou s'allume tout seul? Non, tu le connectes à l'USB, c'est bon. Après tu vas mais il est déjà connecté. Il est déjà branché. Après tu vas sur le logiciel target et tu lances le profil et c'est bon. Ok, c'est target, c'est ouais, ça? Ouais. Je lance le profil, c'est-à-dire? Bah moi c'est ce que je fais à chaque fois pour que ça marche, donc je sais pas si toi tu vas en avoir besoin. Je vais voir. C'est peut-être spécifique. Et target. Tu stream là? Ouais. Ah oui, au fait, ton stream de la dernière fois, là, j'ai regardé un peu. Toi, on t'entend pas dessus. Oui, je sais, il y a qu'un côté, c'est parce que mon micro déconne. Tu vois, ah. Voir. On entend moins très faiblement que d'un côté, en fait. Tac. C'est pour ça que c'est mieux le tien, parce qu'on entend beaucoup mieux. Bon, t'entends tout court, hein. Ouais. c'est sûr. Hein. Et c'est balèze comme truc, n'empêche, hein. Ouais, mais il est pas mal, t'as vu le grip, il est sympa quand même. Puis y'a plein de petits. Oh bah j'ai hâte de voir ce que ça donne en vol quoi. Ouais, surtout à Colonia en combat. J'ai hâte de voir. Ouais, mais les boutons ils sont super bien placés, je trouve. Ouais, ça a l'air. Ah merde, faut que je redémarre. Fuck. Ah bah oui, t'as mis un driver, c'est normal. Attends, je laisse finir s'installer, tout ça, toc toc. Oh, t'as ok, vu, Phoenix ouais, d'accord. Je viens d'arriver. Et les trucs. Ça, je m'en fous en fait. Donc en fait, juste le pilote et le logiciel et ça suffit pas. Ouais. Ok, bon bah je reboot. User disconnected from your channel. Oh putain. C'est toujours le même système là? Non, non, je me balade. J'essaie de trouver des planètes. Je vais un peu, au hasard. Il n'y a pas grand chose par là. Ah, mais toi, t'es arrivé, ça y est. C'est ce que je viens de te dire. Je t'écoutais pas. Ça fait toujours plaisir. Ah putain. Vous voyez Manu... comment je suis traité, les gens. Il y a Manu qui me parle en même temps, qu'est-ce que tu veux? Ouais, Manu c'est secondaire. Ah, s'en fout, il est plus là. Profites-en, t'en as pour quelques minutes là. Ouais, mais je suis quand même mort en sursis quoi. Il va écouter le stream et puis il va me latter ma face. faut qu'il ait envie de le regarder le stream après. Hein. Oh, c'est un duel à mort en SRV, ça va être marrant. Le coup quand même, ouais c'est bon, t'arriveras pas à monter sur ton anaconda. Mais si, tu prends le caillou et hop. Allez, first try. Disais plus rien le Manu. Putain, t'as loupé les streams de fou qu'on a fait. Enfin de fou. On faisait vraiment les cons à faire des figures l'un devant l'autre avec les SRV là. Ah oh, bah j'ai pu louper plein de trucs. Hein? J'ai dû louper plein de trucs. Ouais, il y a eu pas mal de trips, mais ça va revenir. Dès qu'on va arriver à Colonia, t'en fais pas là. Ça va être du grand n'importe quoi. Là ton système où je t'ai rejoint, il y a qu'un soleil en fait. Oui, mais tu sais que je suis en recherche là. Je suis en explo en fait. Hein. Oh ce système. Fuck le système. Voilà, ça c'est fait. Bon. On est bien dans la nébuleuse, mais on dirait pas. Quand on se balade, c'est tout est noir. Bah non, faut que tu t'écartes un peu du soleil, c'est tout. Faut que tu t'enlèves de toute pollution lumineuse. Ouais. Effectivement. Manu, ça fait 20 minutes qu'il est en train de redémarrer son PC là. Faut qu'il le remonte aussi ou. Mais non, mais faut comprendre, il joue sur un Windows 2000 encore. Ah,
Toi t'es gentil pour un 2000, moi j'aurais dit 95. Hein. Ouais. C'est un dos en fait. Puis son clavier c'est une machine à écrire reconvertie. Ah putain. Ah non mais tu veux rire, tout à l'heure j'ai voulu aller éditer des papiers en ville. Je suis allé à la mission locale, c'est pour que j'avais l'habitude d'aller chez un informaticien qui faisait du super boulot. Mais pas de bol, il a mis la clé sous la porte. Et du coup, je vais les voir. Je leur demande voilà si je peux avoir un ordinateur, accès à une imprimante pour utiliser mes trucs pour ma demande de formation. Ils me disent j'ai pas le temps. Allez voir le mec à l'étage. Il y a une cellule informatique. Allez, je monte. Sympa. Je vois les dinosaures. J'ai fait waouh. J'étais. Il était 16h. 16h40. Ça fermait à 17h. J'ai allumé le PC, il a perdu 10 minutes. C'était un Windows 2000. Ah, putain. Et après, j'ai allumé l'imprimante. Le temps qu'il m'affiche, on va dire, le. Allez. À peu près une page. Il s'est écoulé à peu près encore 5 minutes. Le reste, ben, l'imprimante matricielle a fini le reste. Et à la fin, quand il m'a sorti la feuille, bon, je ferme. D'accord, j'ai imprimé une demi-feuille sur 7. Je reviendrai demain. Putain. Mais sérieux quoi. Ah, tu m'étonnes. Bon, l'avantage, c'est que les couleurs étaient pleines. Ah. Tu m'étonnes, il n'y a pas grand monde à mon avis qui veut utiliser le dinosaure. Hein. Solution de dernier secours. J'ai halluciné quoi. Des claviers, interface de chargement Windows. Bah. Putain, ça commence à dater tout ça. Alors, du coup, bon bah, canon les planètes. On a bien trouvé ce foutu planium là, bordel de merde. Ouais, bah je l'ai trouvé à 0 et quelques pourcents, mais. Ouais, enfin. Bah, il cassait 4, il faudrait être quoi 400 cailloux pour en trouver, peut-être quoi. Ouais, par là. Un coup de chance. Deux. Un bon coup de chance. Niobium et du zirconium. Toujours pas ce qu'on cherche. On va changer de système, tiens. Il y a Colonia, proche de Colonia, il y en a des, des intéressantes là-bas. De quoi? Des planètes avec du polonium. Bah, je sais pas s'il y a des planètes avec polonium, mais il y a plein de planètes quoi. Je me doute qu'il doit y avoir, oui. Mais. C'est super dense, hein. C'est super dense et surtout. Le monsieur demande quand même du polonium. Du genre à 100. Je me doute bien qu'il doit y avoir plein de cailloux. Maintenant, c'est des cailloux avec du polonium que nous cherchons. Il y en a partout du polonium. Ouais, c'est pour ça d'ailleurs qu'il m'en reste plus que 5. Voilà. C'est juste rare, c'est tout. Mais après, il y a le champ de neutrons qui est en dessous là. Tu peux te faire du fric dessus. Voilà, je me suis fait plaisir. 6 étoiles à neutrons. Là. Ouais, là, c'est pas beaucoup. Hein. Ouais, je sais, c'est pas beaucoup, mais c'est toujours ça en plus. Quand tu vas à Colonia par l'autoroute, t'en as 80 waypoints déjà d'étoiles à neutrons. En général, t'en fais une centaine, quoi. Une centaine, voire plus, facilement. Et ça arrive qu'il y ait plusieurs étoiles aléatoires dans un système. Jamais vu ça.
Une géante gazeuse rouge. On va aller voir ça, tiens. En fait, je pense que je ferai l'autoroute à neutrons pour le retour. Ouais. Peut-être un. On fera un crochet et on reviendra par le neutron. Tu sais, elle existe, hein. Donc au pire, tu pourras aller dans la bulle et retourner à Colonia par l'autoroute, hein, si un jour tu veux y retourner. Oui, il y a ça aussi. Tu vois. Moi, c'est la première fois que j'y suis allé, c'est parce qu'on voulait. Je voulais aller à Colonia depuis quelques temps avec Manu et que bon, j'avais chopé la SP Explorer qui sautait à 40 années lumière, on a décidé d'y aller. Du coup, on a pris l'autoroute à Neutron, mais. Sinon, le plus drôle, c'est quand même de passer par l'Explo, quoi. Les trucs alentour. Oh, moi, je connais quelqu'un qui est. C'est Elite Explo, il est parti au champ à Neutron, je crois. Tu sais, il avait pris une mission où il devait prendre un pélo. Et il était donc. Il partait pour 32 000. Ouais. Je sais plus, enfin bref. Ouais, il a fait son klaxon sur tous les systèmes. Il a pris tout ce qu'il pouvait prendre, quoi que ce soit. Il allait faire la mission. Alors, par contre, apparemment, la bonne femme, elle était hyper chiante parce qu'elle demandait plein de trucs. Et une fois qu'il a fait, on va dire, tous les desiderata de la bonne femme, il est parti et puis il est revenu. Et. Elite. Bon. Ah bah 32 000 ouais. Classe 4, première fois que je vois ça tiens, je crois. Ah non, classe 4 j'ai déjà fait une fois. Toi c'est pas mal ça, classe 4. Il me semble que ça doit être 32 000. Classe d'hydrogène. Tu sais, c'est l'émission à 50 ans passé là, je sais ouais. Plus. Dans un temps t'en vois. Ouais ouais. 29G. C'est une classe 4. Tu veux te poser dessus? C'est une classe 4, c'est normal. Allez. Oh la vache. Pour la science, mon petit Ben. Science! Ah bah là. Ouais. c'est chiant, tu vois, c'est que on peut pas se filer les ressources comme ça. Ouais. Entre nous. Je pense que c'est un choix. Ah si, j'en ai 9 du polonium. Toi aussi, il faudrait que tu fasses ça. Ouf. Oui, c'est un choix. C'est comme le fait que tu peux filer du pognon à d'autres commandeurs. C'est pour éviter de tuer le jeu dès le départ. Mais exactement. Quand t'es loin en explos, ça pourrait être intéressant. On va faire ça comme j'ai toujours fait. À l'ancienne. Ah ouais, je vais voir. Bah je vais déjà aller dans le jeu, je vais voir ce que ça fait, si je bouge des boutons, si je... Non, mais ça fait rien, quand tu vas dans le panneau de... Enfin c'est dans les configurations du jeu, quand tu mets joystick, est-ce que t'as pas ton joystick qui est reconnu directement dedans? Bah, c'est pour ça que je vais regarder. Parce que moi le Thrustmaster X, il est direct configuré. Hein. Bah le T-Fate X c'est ce que j'ai moi aussi, il est configuré, donc c'est pour ça que j'ose espérer que je vais pouvoir juste lui dire que la manette des gaz je vais plus l'utiliser comme de base, tu vois. Que j'ai utilisé autrement. C'est parce que moi je vais juste changer 2-3 boutons, hein, je m'en fous, hein, j'ai beaucoup de choses. C'est juste à la limite le menu de droite, le menu de gauche, tu sais, les trucs comme ça, tu sais. C'est parce que j'ai vu que devant, donc il y avait. Bah, tu pouvais, t'avais des espèces des lettres là devant là. Ouais. Ça pourrait me servir menu de gauche, menu de droite du vaisseau, tu vois. Pour rentrer. J'ai gardé sur un chapeau chinois là. En fait. T'as quoi? Je l'ai mis sur la droite de ta manette, t'as trois chapeaux chinois, ils appellent ça. Là. Ouais. Et oui. Sur celui du bas, si je vais à gauche, c'est le menu de gauche, à droite, menu de droite, et en bas, etc. Quoi. Ouais, mais moi je le ferai plus avec les trucs qu'il y a devant, là, les espèces des lettres là. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça me permet de naviguer dans les menus en fait. Moi. Bah, moi je peux continuer à naviguer dans les menus avec les boutons de mon joystick droit, moi. Moi personnellement, pour ça que je veux continue. Pas trop changer de truc en fait, c'est juste quelques boutons en plus et la manette des gaz, hein, le FSD que je veux lancer de ma main gauche, enfin il y a deux trois trucs que je me sers de la main gauche, parce qu'en ma main droite, de toute façon j'ai quand même accessible, j'ai quand même pas mal de boutons, j'ai des habitudes de vol. Ouais, tu m'étonnes. Donc,
C'est ça. Il était motivé, hein, le Dorvédif, hein, il s'est tapé toutes les étoiles, quoi. Vous êtes où, vous, des gars? Vous avez de l'avance de fou, là, du coup, là. Bah, on est à la nébuleuse, ça. On t'attend. Ah, oui, oui. Ah, oui. Ah, je sais pas combien. Ouais, on t'attend, encore et encore. J'ai moins d'avoir une vie, hein. Evelyn. Mal de bide en plus, ça me casse les urnes. Alors. Commander Manu One Kenobi vient de se connecter. Touchscreen. C'est bon. Commande. Alors, personnalisé, c'est parti. Commande, vol, poussé. Poussé, ça je m'en fous. Vol, rotation, je m'en fous. Commande de vol alternative, vol, propulsion. Propulsion. Ah là, axe de propulsion. Là, si je clique, eh ben voilà! Amplitude entière. Pourquoi inverser? On verra bien. Ah. Ok, amplitude entière. Oui, je garde l'amplitude entière. Est-ce que je peux avoir inversion de propulsion avant une écoute? Ah, c'est ça, parce que alors je crois qu'il y a un bouton pour faire genre. Pour marche arrière, ouais. Marche arrière. Alors, c'est quoi la version de propulsion avant? C'est le bouton orange à gauche. Non, mais non. Je te parle dans les menus du jeu. Ah, je sais pas. Parce que ce que je te disais, c'est en train de marcher en fait. D'accord. De toute façon, je vais faire comme d'hab. Allez, c'est parti. En fait, on va appliquer direct. On va aller dans le jeu. On va faire ça bien. Alors, on va lancer le jeu. On va lancer le vaisseau spatial. Déjà, est-ce qu'elle est reconnue ta... Bah oui, parce que j'ai poussé la manette des gaz, il m'a tout de suite marqué le... Il m'a tout de suite... Ok. Ah, c'est déjà ça. Oui. Oui. Mais... Je sens que c'est pas ce soir qu'on se trouvera notre polonium. Non, honnêtement, je t'en ai trouvé un petit peu tout à l'heure, mais là j'en ai pas retrouvé depuis. Hein. J'ai passé toute la soirée à faire système en système. Ouais, et puis bon, c'est pas sur des mondes glacés si tu veux que je vais avoir la grande chance. Quoi. Alors, geyser de vapeur de silicate, je vais aller voir ça, tiens. Okay. Le système où je suis, j'ai du dur, c'est juste aller voir celui-là, de l'antimoine, de l'arsenic, de l'itrium, mercure éventuellement, du tungstène, mais bon, rien de mirobolant. J'ai pas trouvé grand chose d'intéressant. Bon, on se rejoint dans un système pour faire la pause. Bah là, je vais essayer de trouver du. Alors attends. Ouais, j'ai trouvé une planète avec. Avec des geysers de vapeur de silicate. J'aimerais bien voir ça, tiens. Je te rejoins. Ouais, si tu veux. Je vais mettre ma balise. Attends. Ça y est. Où te trouve votre petit sacripant? À 16 années-lumière. Tu ne peux te cacher. Je te trouverai.
à la recherche de la patate blanche perdue dans l'espace. Elle va bientôt se poser la patate là. Se poser, pas se croûter. Ah bah ça. Ça reste à voir. Ah, sympathique cette planète, tiens. Et honnêtement, on dirait. Ah, mais toi, t'as pas fait la recherche des trucs aliens, toi. Non, j'ai pas testé encore. T'as pas fait là. Et au moins, on a tous cherché. Les ruines là. T'as pris laquelle La petite lune. La toute première? La lune. Pas la lune, hein, c'est façon de dire en fait. Parce que tu verras, il y a la lune qui est grosse et une qui est petite. Du coup, la petite, je l'appelle la lune, quoi. Ça fait vraiment ça en plus. Hein. Putain, elle est magnifique. Je vais prendre le wing. Le ouais, signal. Prends-le. Putain, c'est génial. Super beau relief. Manu, il a des quoi? On doit pas être très loin là. Il va y avoir 2-3 trucs à faire chez lui. Ah, l'émission épique, ça nous tombe dessus. Toujours être prêt. Putain, c'est génial cet endroit. Ouh, je sens que je vais camper ici. Ah ouais. Ah, c'est abusé. La patate blanche est sur le point d'être localisée. Poser par là. Bon, c'est bon, ça marche comme je l'espérais. Yes. C'est déjà pas mal. Cool. Yeah, man. Cool, cool. Juste à confirmer. Bon. Ah, tu vois, je me suis pris la tête pour rien en fait. J'ai suivi un peu le j'ai suivi pas qu'un peu, j'ai oh. suivi complètement leur manuel en fait. Vol d'hiver, affinité. C'est où FSD déjà? Trop de trucs. Bon, après petit à petit, je changerai 2-3 trucs, tu vois, normal parce que force 2, mais. Alors, de quel côté te trouves-tu? Mode tabou pour celui-là. Voilà, tableau de bord haut, gauche, gauche, ok, c'est ça que je voulais. C'est sonné, ça ne va pas bouger. Ok, ok, ça c'est bon. Tableau de bord bas. Ah, ça, je pourrais faire un truc. Il ah, y a plein de trucs en fait. 313 km. Attends. Non. Nope. Conduite, oui. Conduite propulsion, il y a ça aussi. C'est bon, tu m'as trouvé? Bah, je te vois à 160 bornes.
T'es près d'un... une sorte de croissant bleu? Ouais, c'est ça, je suis dedans même. J'étais pas du bon côté alors. Non mais si, je suis dedans. Non mais moi j'étais pas du bon côté, j'étais de l'autre côté de la planète. Ah, ouais, je me suis mis au soleil. Enfin, au soleil. Ah, il y a deux boutons là, ok. Très bien. Deux ou trois boutons. Oh putain, mais en fait y'a trop de trucs. Oh là là. Il est bien. Bah ouais. Mais tu sais qu'il a été, il a été créé en collaboration avec Frontier. La patate est localisée. C'est où le FSD déjà, putain? C'est dans le vol d'hiver. En bas à droite, le orange. Mais non, putain. Oh mon dieu, mon dieu Ben. Ben ne comprend absolument pas ce que j'ai envie de dire là. Dans quel menu du jeu des commandes situe le FSD? Pas à ce temps-là, je comprends plus. Dans vol propulsion, dans vol alternatif, c'est ça que je cherche en fait. Vol alternatif. Non. C'est un terme bizarre quand même ça. Vol alternatif. Commande de vol alternative. C'est pas les vraies commandes, mais ça n'est des commandes quand même. Vol alternatif. Oh, j'arrive à me calmer. Phoenix, si tu vois un SRV qui est en train de grimper une falaise, c'est moi. Attends, c'est hyperespace, ils appellent ça? Tourne hyperespace? Ouais. Activer réacteur FS. Il faudrait que je fasse une petite modif d'ailleurs. Parce que dès que je verrai une cible, si elle est occultée... Turbo moteur, ça je touche pas, c'est bon. Bon ouais, écoute, on va déjà essayer comme ça. Oh chouette, un vaisseau sans défense. Attends, je te... Ça raille la peinture. je te surveille. Hein. Ah, je par contre j'ai un souci avec mes... Non, ça n'a pas marché. T'es à l'œil, je te vois là. Je vais essayer ça. Ouais, FSD ça marche déjà. Ok. Ici tout va bien. Ça va, tu tournes bien. Hein Phoenix. Ça y est. Voilà. Et tout à l'heure, j'ai été ciblé sur ton VRS, j'ai piqué du nez, mais il n'y avait pas ton VRS en dessous. Pourtant, j'étais exprès à l'endroit où c'était marqué, quoi. donc ça marche pas par contre, le mode tableau de bord. Donc du coup, on va faire comme t'as fait toi. Tableau de bord, oh go, on va le mettre ça sur le chapeau chinois. Il est où ton VRS, Félix? Ah, t'arrives. Je vois pas ton VRS. Non. Ah oui, ça y est, je le vois. Excellent. T'as, il est vraiment précis le jeu quand même. Vas-y, ah mais non, mon tableau de bord, il marche pas. Alors vas-y. Attends. C'est peut-être pas la bonne le bonne option. Tu fais quoi, Phoenix? Bah, je me balade. Parce que moi, je suis en train d'essayer de grimper la montagne en face, là. Ça, c'est un lac, ça fonctionne pas. Tu me vois? Ah ouais, je te vois. Je t'observe. Y'a peut-être un conflit. Bah, moi je te vois pas. Je suis un peu en haut. Pas encore. Va un peu sur ta gauche. Ah, attends. Ah, non. Loupé. Non. Vas-y, je te dirige à droite. Droite. Mais je suis con. Droite, 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 droite. Là. Gauche. Cette montagne là? Je suis con. Gauche. Là, c'est bon. Voilà. Va à peu près tout droit par là. Je suis pas loin.
Oh. Bon courage. Ouais, mais oui, je suis con, putain, oui. Fameux bord système, quel con. Vas-y, mollo, hein. Cible, c'est sud gauche, hein, c'est ça? Le système, c'est sud droite, hein? Ouais, c'est ça. Non, c'est le Ah. contraire. Si. Attends. Ok, si, c'est bon. Je pense que c'est ça. Non, C'est mais je me suis accidenté tout énervé. ça. T'as vu? Yes! Oh putain, ça marche, c'est beau. Alors, ça je marche. sais plus du tout si je suis toujours dans les bonnes directions. Non, non, c'est Ok. parti. Je vais te rejoindre une fois que tu t'arrêtes à un moment donné. Vous êtes à combien de moi? 3600 années de lumière. Ouais, non, mais c'est pas sûr que je vous rejoins, les gars. Ouais, je Je me pense suis pas. fait. Effectivement, fais un petit peu de trajet au pire et puis. Ouais. Ah, c'est pas grave, on est en train de récupérer. C'est parti. Tu vas Non mais voir. c'est bon, de toute façon je c'est bon, ça marche comme il faut. Ça y est, tu vas te sentir comme un commandant là. Oh, c'était déjà le cas, hein. Ouais, mais là t'as la manette, c'est encore mieux. Tiens, tu vois l'autre. Là, de là où je suis, tu vois la grosse planète. Ah ouais, bah c'est ça que je voulais aller voir en fait. J'avoue. 10h42, ça sent pas Je te bien vois là. pas, hein. Non, mais j'arrive, je suis derrière toi là. Mets-toi en caméra extérieure, tu verras, tu vas me voir arriver. C'est encore la 2.3 en fait. Plus tard. J'ai pas de nouvelles par rapport à ça, donc je sais pas si t'en as toi. Je vois pas du tout où Effectivement, tu te c'est 10 fois trouves. plus confortable. Vas-y. C'est 10 fois plus confortable, rien à dire. Tu sais toujours pas où je suis? Ouais. Bah écoute, non. Mets-toi en caméra extérieure, regarde juste à côté de ton SRV. En fait, c'est Ouais, non, mais tellement confortable que du coup, je si suis tu es au-dessus de mon vachement plus SRV en loin du caméra bureau, extérieure, quoi. mais je ne te vois pas. Non, sérieux? Je suis en train de te tirer dessus. Ouais, j'entends les bruitages, mais je vois pas les lasers. Ah oh, putain, s'il y a un problème d'instance à tous les coups. Putain, j'ai oublié de scanner le système. Tu me vois pas là? Attends, je retourne en. Ouais! Ouais, Ah! t'es parti en live là. J'allais me poser ailleurs de toute façon. Puis... Voilà, je suis revenu. Bon, c'est rentré dedans là. Ouais, T'es rentré dedans? j'allais me poser ailleurs moi. Bah écoute, je te vois pas. Ouais, mais c'est problème d'instance, on a déjà eu ça avec Manu. De quoi? Du genre, je vois son vaisseau, je le vois, mais lui il me voit pas. Ah oui, pour reset l'instance. Ah ouais, c'est carrément plus confortable, y a pas photo. Ouais. Bah, d'avoir les deux mains collées, t'as... du coup, je peux me mettre beaucoup plus loin du bureau, quoi. Ah mais toi t'avais les deux mains collées sur le joystick en fait? Bah oui, parce que j'ai la même dégâts sur le joystick. Ah oui le petit, ah oui, ok. Bah comme le mien en fait. Et moi ça je vais Bah oui. l'utiliser pour les sensors. Les capteurs, voilà, Ah justement. ouais, c'est du délire. Est-ce qu'on pourrait trouver un bel angle pour faire une super photo? Ouais, c'est pour ça que je vais reprendre le vaisseau là. Ouais, 3600 années-lumière, quoique. Je vais les faire en 1 heure. Ouais, mais moi je vais pas rester 1 heure et demie, c'est sûr. Après, rejoins-nous, hein, comme ça on pourra tous repartir la prochaine fois, quoi. De quoi? Après, tu peux en faire un maximum Bon, comme je ça. suis d'après-midi donc je peux pousser jusqu'à minuit, 1 heure du mat, remarque. Ah, toi aussi? Moi Je me aussi, lève à mais. 8 h donc Mais on va aller. demain. Oui, je suis d'après-midi tout le temps maintenant, de toute façon. Faut que je sois OP à 11 h parce qu'il faut aller choper les places pour Metallica, donc. Faut que je me lève à 8. Bon, 7 h de sommeil me suffisent. Ah, pas moi. Pas en ce moment, je fais trop de sport. Que l'entraînement va bien claquer, mais bon. Ah bah. Tu m'étonnes. Ah, il y a une magnifique photo de Toujours le toi, sabre? au fait. De quoi? Sur la Makersphere. Ah oui, t'as vu? Ouais. Jedi Elle m'a bien fait rire la photo. of the Jaune, Kill Carrément. Ouais, c'est ça en Bill. plus. Ah, bon.
Du coup, ouais, du coup, c'est bien parce que je vais pouvoir me dire, tiens, quel bouton on va pouvoir me servir à quoi? Hop, c'était un nébuleuse, je la vois en plus, ça le perd, je la vois. Ah, tu verras, il y a beaucoup de neutrons. Il y a des neutrons? Ouais, il y en a plein. Regarde-les, hein, cherche-les, hein, parce que ouais, mon trajet il a été Non, mais rapide. je vais les chercher alors. J'ai fait en une session les Ah bah 3000. ouais, ça peut me le raccourcir. Ah bah, moi je me Il suis va fait regarder plaisir. ça. Bon, c'est pas en ligne droite, hein. Tu fais du serpentin, mais des fois c'est pas la peine d'aller surfer sur la neutron. T'as des neutrons qui sont à 20 ou 30 années-lumière, quoi. Donc Ouais, du bah coup, tu les fais, tu les scans, et puis après tu prends la dernière, et puis un moment, ouais. quoi. Putain, ça y est, le mec a vraiment pris de l'assurance, quoi, parce qu'il est en train de m'expliquer à moi comment faire tout ce genre de choses. J'adore. Ouais, mais Manu, on sait Ça me plaît pas. beaucoup. Bah, je veux dire, au cas où tu saurais pas, tu vois. Oui, bah oui, forcément. Tiens, au cas où je saurais pas que je trouve un monde tellurique là maintenant tout de suite, juste pour vous emmerder. Hop, ça c'est fait. Bon, juste Allez, au cas où tu sais scan. pas, faut bien les scanner les mondes telluriques, hein. Ouais, il paraît, ouais. Ouais, il paraît que ça a pas l'air du coup. Pareil que ça sert à... Ah Vu putain. pendant que ça scanne, je vais quand même acheter un coup d'œil à la Et si jamais caméra t'en trouves, ici. n'hésite pas à profiter à la communauté. Voilà, c'est un aquatique. C'est déjà pas mal. Alors, des neutrons. Alors. On va aller voir ce qui est un peu plus loin. Putain, elle est pas mal la planète en face aussi. Hein. Alors, Ah là, quand on là, il y vous en a une envoie des ça, neutrons. 518 années-lumière. Allez, parti. portfolio! Allez, je vais venir vers une neutron. La 500 années-lumière. Monde aquatique. Très bien. C'est déjà bien. Alors, C'est c'est héros, plaisant. c'est. C'est Faut toujours s'appeler rien à redire. Cliffhanger, n'empêche, pour monter la montagne. Portfolio Opéra n'aurait plus. What? T'as mis des trucs sur ton fouillot? Attends, je vais regarder. J'essaye, désespérément, mais. Il ah, y a le Discord qui merde. Ouais, là, Opéra me dit fuck, en fait. Opéra. C'est dépassé tout ça. Hein. Ouais, je préfère utiliser ça que Firefox. Ah, faut passer sur Chrome. Si tu mets pas trop de choses, si tu mets rien Bah, dessus. non. Si Non, mais. j'arrête pas d'avoir des bugs avec Oh. Chrome. Je sais pas, j'ai l'impression d'être le seul qui a jamais aucun souci, quoi. Si, c'est la grande classe, hein. J'avoue que. T'as 10 fois D'accord. plus l'impression d'être aux commandes d'un vaisseau spatial. Hein. Là, par contre. Qu'est-ce que t'as mis? Oh, cette chute! Waouh! C'était épique. Ah, 37 objets astronomiques. Bon, je te confirme qu'y aller à fond, des fois, c'est pas spécialement le meilleur plan. Oh, pas du tout, même. Ça dépend toujours de la largeur. Hein. On parle de quoi là? Despot sort de score. Je
Ah désolé mais là c'est un peu limite hein. C'est bien t'as suivi. Ouais c'est ce que je me disais hein. T'es parti à 77 bornes mec. Ouais. Je t'attends. Chercher de la caillasse. Attends, je vais redécoller et puis. Je te rejoins. Et plus vite. Il y a la gazeuse qui est là-bas d'ailleurs. Genre de gazeuse. Pourquoi ça veut pas me mettre auto ça... La vache, j'avais une musique mais angoissante là. Dans ma neutron. Et chelou cette planète. Il faudra arriver à tout configurer sur le joystick, les zooms et dézooms dans la carte de la galaxie, la carte du système, ça serait pas possible. Ah, y a du je coup. Vais y arriver. Il va réussir à se poser là? Non, j'hallucine. Eh, bah, pas tous un anaconda. Hein. Bah non, mais le machin est complètement accidenté. L'IA, il va poser mon vaisseau ici. Quoi. Ah. J'aurais voulu faire la même chose, je crois que ça aurait été faisable. Très intéressant. Alors, par contre, c'est qu'il y a une sacrée amplitude, mais bon. Que j'ai mis en mode amplitude complète, tu sais, avec bouton d'inversion, tu vois. Ah, bah tiens, d'ailleurs, je vais changer mes capteurs. Alors, option. Tant qu'à faire. Je vais voir si je sais le faire. Ça va être où ça? Produit de visée. Ah, ce troll. Le vaisseau, le truc d'embarquement, il y a un caillou juste à la place. Faut que je trouve comment monter sans le caillou. Ah la vache. Épique. Mais je suis assez fier de toi, Dark Phoenix, parce que tu tiens le choc. Ça me plaît beaucoup. Tu tiens le choc. On a fait quand même quelques dizaines de millions de lumières. Et oh, plus que ça a l'air toujours autant à fond. J'ai regardé le trajet qu'on a fait tout à l'heure. Il est quand même pas mal. On a fait quoi? 7000 en dehors? On a dû faire 12-13 000. Enfin, ou à peu près 15 000 peut-être. On se rapproche de Colonia, mine de rien, assez vite sans trop. On n'est pas très loin. À la poursuite de la patate blanche. La patate blanche. Qu'est-ce que t'as contre ma patate blanche? Là, c'est chouette les patates rebelles. De l'espace. Canus, c'est Canus. Les gars, sinon la patate elle va ramener ses amis de l'Empire là. Toute la faction de la princesse sera contre toi. Pour la princesse. Putain. La fois l'entraînement, je pensais à toi. Et ça se battait en mode mêlée à la fin, tu sais, on fait souvent des combats de mêlée pour rigoler plus des fois, tu sais. Ouais. Genre. Ouais, en 6 contre 6. Il y en a qui gueule pour la République, l'autre pour l'Empire, moi je fais gueuler pour la princesse. T'aurais dû. Mais ouais. Le gros... Attends, je vais voir ma fille, je reviens. Ça marche. Je reviens, je vais voir ma petite Elpla. Ça marche. J'ai pas compris ce qu'il a dit. Il est parti voir sa petite. Hein?
Ouais, je voulais poser mes screens et ça marche toujours pas. Ouais. Je vais pas trop tarder non plus quand même, attendre qu'ils reviennent. Et je vais me casser. T'arrives bientôt toi là? What? Tu te rapproches de mon vaisseau ou... J'essaye. Prends tu borne. Putain. Tu dois être derrière le caillou qui est droit devant moi en fait. Ouais c'est ça. Exactement. En plus je me suis parqué à un endroit où tu vas avoir du mal à te poser toi. Dispatching carrier pigeons. Ouais. De lui. Ouais, au pire, tu me sers de spatioport, hein, sinon. En tassant bien, ça sera tout plat. Hein. Ouais, ouais, on va dire ça. bouge pas. Tu voulais te faire une partie de Job Vampire vite fait après? Voilà, non, moi je vais me coucher après. Mais à l'occasion, pourquoi pas, ouais. Ça fait une plombe que je pars tourner. Tu jouais quelle faction? Les Anglais en général. Ah. Ouais. Ouais. C'est chiant à jouer contre. Ouais, je jouais les Teutons. Les Anglais ils sont super, super chiants à jouer. Contre, en tout cas. Ouais, à cause des archers. Ouais, c'est ça. Bah bon, quand tu joues la cavalerie en face, tes archers... Ça dépend comment tu gères. Bon, tu les planques dans des tours, quoi. C'est ça? Ouais, non, pas que. Dans des châteaux partout. Ah merde, j'ai encore des problèmes de joystick. Putain, c'est chiant, ça. Je suis obligé de quitter le jeu. Non, j'allais t'écraser. Attends, le bug. Mais attends, je me reconnecte. Il a des co. Attends, je vais revenir. Je vais peut-être pas me poser à l'endroit où t'étais, hein. Si. Ouais, mais non. si t'as le bug que t'exposes parce que voilà, tu t'es resynchronisé au moment à l'endroit où j'étais. Ça le fait moyen, quoi. Putain, je sais pas ce qu'il a. C'est mon truc USB qui merde là. Tu disais, je pourrais pas me poser, c'est bizarre, mais je me suis posé du premier coup. Oh, je t'ai dit que tu vas peut-être avoir du mal. Non, ça c'était au début ça. Puis maintenant.